badaya mama kangal kamisa hani ka wala kangal baradin kani wa wallahi mana ma koy ne higa hano kangati ir koy gabay dinga diya manati hano kanga ka gu ine ina higa te ago gihi kanga ago gihi den bay ballay ballay wo hay kul chimi bisa oh aima kal kamisa hani ige kuwe amma ai mamma kan ai kan ai gogo mai bina rakti wa tukula ai ba hauru han fo ai sunwa dai fongo ai sunwa hauru ai han fo mai sunwa hauru wa tukulu ai go fu ai si han fo kan ai fatte kwale ai bero ne karane ka. Le cas de Mariama, c'était très émouvant. Nous nous sommes rendus chez elle juste pour une interview parce que c'est un cas de mariage précoce qui avait été déjà signalé. La tension était encore vivante. Quand nous nous sommes présentés, il n'y avait pratiquement pas quelqu'un qui pouvait nous écouter. Chacun était sur les nerfs et la maman et Mariama elle-même et ses sœurs. Wat imam baki ce kal ai wai koye kwals ai wai go windi windi na kwen ai ir classes fun ai koye Istanbul so halaka ir kwa ir jarga gor kisine won deze inge no nya itir hawai na wai gitari wiza kimin. Son premier mariage qui a failli être célébré a été annulé grâce à l'intervention de Cjup. Mariama devait reprendre le chemin de l'école. Igo na ise wo higo madan no igo sobay di madan wo ki kul di madan wo fatta ko madan fo yendo igo sobay ga haru. Dans leur entendement, c'est que son mariage a été célébré en cachette, qu'elle passait les nuits chez son mari et que sa mère lui donnait un bain avant de revenir à l'école. Elle travaillait très bien à l'école parce qu'elle était quatrième de sa classe. Mais c'est parce qu'elle se faisait huer par sa maîtresse et ses camarades qu'elle avait refusé d'aller à l'école. Higa inora wankanga itaga. Ay manataga kal zambar waranka chinditachi. Manti hay fonir gamila de kal saho sanda way baray kan goni se ko ci agogo fatta ko ki agogo koy foru nyango bina sakani addo hano kan adi ago hi gaira yi gasal basal ba koy ni hay kulir koy ni gogo hago da ir koy man ne hay fo haya siti o sanne kan ai gabai mace manai hadadi kati sahu ai wonan kan wan kan ai tedin kan ai gogidi kan ai tetali man tetali ne te wai bar da bari ne ki zama gona wai bar kul kan sinde kuri arafu ora zal ba kul nagati asinde hay kul kan nismi da ne bonga niga kan ni ga hindiri ni ga hindiri nan kan gini wayandi ni ga hindiri nan kan gini no hari kan ga han sanku ni gonda bar kan se ni ga no amanwa ya dinga bar koy bar kul kan sin da kurni ba goga kan ya sakani ine ba jingara goga jingara su jingar kabu oh les parents dépensent tout cet argent pour pouvoir meubler la chambre de leur fille en achetant des ustensiles en commandant pour elle des meubles qui coûtent au-delà de cette somme là qui leur a été apportée. Il est coutume de dire que les gens donnent leur fille en mariage par pauvreté. En réalité, l'argent qui est amené dans la famille pour le mariage de la fille ne résout en rien leur problème de pauvreté. Kangine he gandi kangai gogidi albaradi nemi lay babani
ingay bombo Mariama berinde buga bere kam berindi kulu Mariama berinde akangin higi amma kunyo gogo ha goyda gogo ha goyda kali duiza taki boy barahinza al barfo Il s'agit d'une patiente âgée de 15 ans qui nous a été référée ici pour un fistule obstétrical. Elle a fait un long travail d'accouchement, 3 jours comme ça. On a dit que c'était un centenaire. 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 C'est un bassin immature, donc l'accouchement est presque impossible. Et donc toutes ces jeunes filles-là, qui sont dans les campagnes les plus reculées et qui se mettent en travail et ne peuvent pas délivrer, il va de soi que par le mécanisme de la fistule, que la fistule se crée. La fille elle reste de chez elle, elle fait 2-3 jours en train de faire son travail d'accouchement. Et à ce moment-là, il y a une compression au niveau de la vessie. Après des heures ou bien des jours, il va y avoir une ischémie, il va y avoir une chute d'escar et il va créer la fistule va se créer. Rarement on voit les maris ici. Le plus souvent, elles sont chassées chez elles, chez leur maman. C'est les mamans qui les amènent ici. Il faut dire aussi qu'il y a souvent certaines superstitions. Parce que dans les villages, ils sont stigmatisés. Si la femme présente une fistule, on peut dire ah, c'est une correction divine. Peut-être que c'est une femme qui ne restait pas tranquille. Aïe, Zangara, quand elle vient à Sarah, Allah, aïe, Aïe, madame, je ne sais pas si je suis là. Je suis là. Gün dolandı dağlı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Aa, gelin eyle, tez gün. Aïe, maman, t'es mon mounouïti. Aïe, babo, berounou. Aïe, babo, kainounou. Nete aina imanya dukulu sanki na ikai kulkuli nete. Aiwele mile zaka aiki aibabu bero saina iwa isikuwa barukulu kwa ala. Aijira imambato kwa ina imambiri. Agingi te amanane. Yaz bana gelin izin alıp sana. Je dirais que travailler pour la lutte contre le mariage précoce est vraiment délicat. Il y a les pesanteurs socioculturels. Et ces pesanteurs socioculturels sont greffés à la religion. C'est un sujet tabou. Les gens n'en parlent pas, les gens ne veulent pas qu'on s'immisce dans leurs propres affaires. En plus de cela, il y a ce pluralisme juridique qui caractérise le Niger. C'est la coutume, l'islam et il y a les aspects juridiques du code civil. Ces trois aspects-là, on n'arrive pas à dégager un point commun pour pouvoir prendre une décision face à un problème. Il n'y a pas une loi qui est là qui interdit le mariage précoce. Dans le cadre de ces filles qui sont inaccessibles quand elles sont mariées, Plan fait un travail de base qui est de voir les filles, de les sensibiliser elles-mêmes d'abord. Avant le mariage, sensibiliser les parents, sensibiliser les communautés, tous ensemble parce qu'il y a un travail d'ensemble qui est là, c'est une chaîne. Quand on coupe un maillon, tout le reste va avec. Il faut d'abord avoir les leaders, il faut avoir les leaders les religieux, les chefs coutumiers, travailler avec les communautés, les parents. Le sultan de Dosso est l'un des 5 sultans qui existent au Niger. Il est très écouté et tous ses chefs de village lui rendre compte. Dès qu'on apprend dans le village ou dans le milieu scolaire des cas de mariage, on est prévenu. On intervient tout de suite.
J'ai mes chefs de secteur, j'ai mes chefs coutumiers, j'ai mes chefs de village, qui essaient d'arrêter. Et quand le problème les dépasse, ils s'adressent à moi. Et c'est là que je convoque les parents et les intéressés pour essayer de les dissuader. On essaie d'expliquer que la petite fille non formée, en cas de grossesse, ne peut pas accoucher. Aller dans les hôpitaux, c'est un drame pour ces jeunes femmes qui sont là par centaines et qui sont fistuleuses. Moi qui suis du corps médical, certes, je donne la priorité à la santé, mais j'estime qu'il n'y a pas de santé sans éducation. La scolarisation de la jeune fille est d'une importance capitale pour pouvoir ne serait-ce que réduire la prévalence du mariage précoce. Il a fallu une longue négociation avec la maman Apa, la fille Apa, parce que Mariama, elle était très révoltée. Au vu des discussions que nous avons eues en aparté avec et la mère et la fille, Mariama nous a fait savoir qu'elle voulait vraiment retourner pour ses études. La mère aussi est revenue à des meilleurs sentiments. Elle a accepté d'annuler le mariage. La réalité sur le mariage précoce, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis mon enfance. Ça a toujours été le quotidien. Dans ma famille, autour de moi, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. À la différence des autres, la chance que j'avais, c'était que j'avais un soutien familial. Et aujourd'hui, si j'ai la chance, moi, j'ai pu avoir la chance d'être là où je suis, c'est que chaque fille qui a eu mon âge, peut aussi être comme je suis. Et si on peut donner la chance à chacune de ces filles, ce que nous ne pouvons œuvrer que pour cela. Et c'est ça ce que je fais à plein. C'est ça mon travail à plein. Thank you.